où toi fidèle vous t'a trahi. Jésus, où toi fidèle pour t'appliquer de moi. Vous pouvez soyer dans la vie. Et moi, je suis réalisé. Vous trois fidèles, vous même capables. Levez-moi, un moment noir. Alléluia. Levez-moi, par la bonne Dieu. Vous t'avez trahi. Les papes qui t'aiment. Vous trois fidèles, vous t'avez trahi. Vous trois fidèles, mon Dieu. Gloire à Jésus. Et en l'autre fois encore, nous dit Seigneur, toi fidèle. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, ou fidèle, oui. Merci pour chaque frère et soeur qui prend temps pour adorer le Seigneur matin. Nous apprécions l'importance qui gagne pour entrer dans le temple. L'importance qui gagne pour entrer en dedans le temple. Nous l'ouvrons la Bible avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Notez dans l'Ancien Testament. Et nous tenons l'Ancien Testament dimanche là, côté nous joignons Salomon qui t'a parlé l'importance du temple. Let us open a Bible in 1 Corinthians chapter 3, verse 16 through 19. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 through 19. This is the New Testament version of the temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Dame, nous lis verset ça ensemble avec moi. Nous lis ensemble. Nous lis verset ensemble. Et nous lis verset 16 ensemble. Dame, nous faisons lecture ensemble. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? M'attendez-vous à nous, non? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin que devenir sage. Dans le verset 19, long tout, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans les ruses, parole du Seigneur. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Dimanche, nous sommes dans l'importance qui gagne pour nous entrer dans le temple. Nous avons Salomon qui t'a parlé de temple, des figures, temple gagné, et nécessité qui gagne pour entrer dans le temple. Dans
1 Rois chapitre 8. 1 Rois chapitre 8. Salomon t'a parlé des nécessités qui pour entrer dans le temple. Il dit, mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui de ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'il prie en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux et exauce et pardonne. Parole de Dieu, Salomon a adressé. Nous te joignons trois bagailles qui te intéressent nous dans le temple. Premièrement, le temple, c'est un lieu de délivrance. The temple is a place of deliverance. Temple, c'est un lieu d'alliance. C'est un lieu côté bon Dieu passé contrat avec peuple. Et troisièmement, nous jouons temple présenté un milieu de connexion entre Dieu et peuple. Temple, c'est un pont. The temple is a bridge between God and his people. Non, nous te jouons une caractéristique temple qui démontre nous temple c'est un bâtiment qui fonctionnel. Une place d'adoration. It's a place of worship, the temple. Nous te jouons une temple qui est composé avec des éléments de l'unité. Unity is a symbol of unity. The structure, the function, the attention. De fonctionner, d'assemblement, de structure non? Et tension qui rassemble le temple pour faire le salier. Nous te jouons le temple, il est conçu aussi, il y a un bâtiment permanent, côté peuple rentré pour adorer le Seigneur. Nous te jouons aussi le temple, c'est une idée que bon Dieu mettait et il prend une initiative comme un plan. That's the temple to bring men closer to him. Nous te jouons temple encore. C'est un côté, un endroit où on rentre pour chercher Dieu. That's the temple. We also saw how the generational come to start walking away from the temple. Jeune génération commencer à dévier de adoration, entrer dans le temple. Start to walk away from the temple, meaning that the temple is not important anymore. Entrer, adorer mon Dieu, mettez à genoux, priez, levez mes en l'air, living pas gain si grand charme encore. Nous te joignons ça. Il y a quelques exemples que nous te baillons. Qui est très important pour nous. Nous te prenons exemple, établissement de l'école, là, comme un lycée vert. Malgré le corona, ou pas vle, ou pas d'accord, si nous devons retourner à l'école, que ce soit sans fait, ou devons à l'école. Ou pas de l'autre à sortir. Ou pas carrer l'école là, pour dire que le corona n'a pas de petit moyen. It's not acceptable. Le gouvernement allait plus loin pour dire non masque. Require, and you cannot fight it. You will send them to school, and you have to send them to school. And if you decide to go to school, you have to train them. Now, later, look who to attend the DCF for being a port like you. Why your sons and daughters are not in class? Even though you don't like it, you don't want to, but you have to. Nous déjouons deuxième établissement ce travail là.
Dans pile monde qui va venir tourner travail, peut-être y a-t-il un autre moyen de survivre. Peut-être y a un unemployment. Peut-être y a-t-il un assez petit cob, peut-être serré. Y a pas de tourner. Mais qu'on va venir faut tourner. Parce que Bill l'a frappé portement. La paix mon Dieu. Que y a d'accord pour masque ou pas d'accord, que ce soit l'âge qu'on y est, hein, depuis qu'on travaille, ou doit retourner travailler. Parce que Bill n'a pas qu'on a fait l'âge. Bill n'a pas qu'on a fait corona. Et troisième établissement, nous venons c'est l'église. Pour que raison l'école l'a respecté. Ou doit effectivement dans l'école, voulez ou pas. Pour que raison travail l'a respecté, d'accord ou non, ou doit voir ou doit le travailler. Et puis l'église pas respecté. That's question my mind. Ça questionne ma idée. Pour quelle raison les affaires de Dieu n'ont pas gagné assez d'importance? Pour quelle raison nous toujours tenons des gens qui ont prié, qui dit m'a fait tout effort avec Timon Moyo pour apprendre l'école. Et souvent, là, l'école m'a crasé zoo. Et puis, dans le matin, si vous n'avez pas l'église, vous allez aller droit, vous sous tête, l'autre, vous dormez, bébé. I don't understand that. I really don't. Non, je comprends pas. In the morning, you wake up the children at 6:45, 6 o'clock, if they start school at 7. For the high schoolers, early morning. Those of you who start high school early in the morning, 6:30, the latest you got to wake up because you have a ride. But if you're catching a bus, you got to wake up at 6. The middle school, you have a little bit longer. Elementary, you don't have that chance because at 7:30, the school, the bell going to ring at 8. You will wake them up. But when it's come to church, we find all the excuses. Ah, quitte yo dormi. Yo fatigué. Ça veut dire, ou enseye yo, pour yon respect pour l'école là, pour yon valeur. Ah, ben bon Dieu avec nous. The job of a pastor is difficult because you have to preach it like it or not. Ou respecter l'école là, pour toujours arriver à l'heure. Parce que qu'on après toi absence à cap passo. Nous te disons qu'on nombre de jours si vous ne devez faire par l'école. Et après, nombre de jours ça, et après l'eau. Vous connaissez. Et pour marcher S, S, S. Vous connaissez ou même qu'elle travaille après 3 absents dans 90 jours, ça passe. Ou bien 3 late. Pas 3 absents. Vous connaissez si vous gagnez un excuse absent. Côté ou parlé ou pas le travail ça qu'a passé ou révoqué ou. But the house of God Almighty is not important. It's not important. It is not so important. And I question it, how a Christian can tell me God is not important. How your Christian qu'apprend à faire mon Dieu pour qu'il n'est pas important. It's questioning my mind. All the time. Don't say we respect the school establishment. We respect the job establishment. And we don't respect God's establishment. A mighty God? It's questioning my mind. L'école n'a pas capable. Ou pas qu'il y ait une excuse absente. Travail, on va gagner une excuse absent. But church is different. Paul was talking to the Corinthians and says, well, in the Old Testament, they was viewing the temple different than the New Testament. Because in the Old Testament, the presence of God was in the temple. Présence, mon Dieu, était dans le temple, dans la boîte contrat. In the Old Testament, dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit habitait dans nous.
Mais c'est pas parce que le Saint-Esprit habite dans nous qui veut dire nous pas gain de voix pour nous en notre plan. Parce que il y a deux rôles différents qui fait. Deux rôles là, présence pour Dieu dans nous, c'est pour former caractère, nous pour nous faire nous monde que nous doyer comme serviteurs servants de bon Dieu. C'est pour diriger nous, c'est pour assister nous, c'est pour aimer nous. Mais l'église entrer en notre temps bon Dieu, il y a un rôle totalement différent. Il y a monde qui dit puisque c'est troublant, it doesn't matter, I don't have to go to church. I'm here to say no, you have to. Parce que c'est le pas important, Jésus va t'aime jamais entrer dans le temple. La Bible dit avant, oui. Sous-titrage le temple, son bagage dans l'Ancien Testament, Jésus c'est le Nouveau Testament, Jésus va jamais quitter ton occasion passée pour le dans le temple. So why is he going to the temple? Sous-titrage le pas important, m'a demandé comment apôtre tu es toujours entré dans le temple. Sous-titrage le pas important, m'a demandé pour quelle raison Paul est toujours entré dans le temple. Et la Bible dit, à l'heure de la prière, il faut jouer le Messieur à entrer dans le temple. Puis aller chercher mon Dieu. Why? Parce que moi, avec vous, on a joué même le Nouveau Testament. Il n'y a pas sous l'Ancien Testament. Monsieur, il n'y a pas sous la loi. There was not on the law. There was the new Christian. There was under the rule of Christ. But they always in the temple. Nous regardons dans Hébreu chapitre 10, avant même que nous tournions. Let's look at Hebrew chapter 10. Nous regardons pour qui ça l'est dit. Hébreu chapitre 10. Mais où est le temple? Dans Hébreu chapitre 10, verset 24, 25, il dit là, entrez en le temple. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va veiller. Les uns sur qui ça? Sur les autres. N'a pas exercé la charité. Dans le verset 25, qui ça lui dit nous pour nous pas faire qui bagaille? Hébreux chapitre 10, verset 25. Dans mon journée jusqu'à ce qu'il me lise. Qui ça lui dit? Pas. Fait qui bagaille? Abandonner qui ça? Pas m'attendre de bon ça même, non. Hébreux chapitre 10, verset 25. Qui ça lui dit? Pas abandonner qui bagaille? Assembler ou? To walk away from your assembly, from your church, from your fellowship. Et puis il dit, on va gagner un deuxième bâti, ah oui. Pas abandonner l'assemblée. Et puis, qui ça lui dit? Comme! C'est qui ça? M'attendre l'église. Non, non. M'attendre, il faut nous lire. Oui, même les nous pèlent, mais il faut nous lire. Non. Ce n'est pas premier bâti, ce n'est pas deuxième bâti. Verset 25. On nous lit toutes versions ensemble. Pas abandonner l'assemblée. Comme! C'est qui ça? C'est la coutume de quelques-uns. C'est comme ça, pile l'autre monde remet fait. Pas abandonner qui bagaille à son assemblée ou. Comme c'est coutume, en pile l'autre monde. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Pas abandonner l'assemblée ou. Persévérer dans le verset 36. On nous regarde verset 35, ça lui dit. On nous regarde verset 35. Qui ça lui dit dans Hébreu? N'abandonnez donc pas qui ça? Votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36. Car vous avez besoin de qui bagaille? M'attendez, plus fort. Vous avez besoin de qui ça? Qui ça les nous avons besoin? Ou avons besoin persévérer? Ou besoin persévérer?
Ou besoin de l'église. Ou besoin d'entrer dans le temple. Ou besoin d'adorer mon Dieu. Ce n'est pas d'être qu'on pas temple, non. Mais on besoin d'entrer dans le temple. Même gentil monde, non. Les besoin d'entrer l'école là. Les besoin de l'école là. Ou pas qu'à qui m'a l'aider nous ça dimanche, non. Pour que mon petit monde vous fait homeschool pour lui. Ou besoin de certifier. Et ou besoin de suivre même curriculum. L'école là, suivre là. Ou besoin de voyer le bystate là. Tenez, oui, ça gagne. Tout d'accord. Pour que mes petits tout l'école, la caille là. Pour enseigner yo. Ou besoin de voyer curriculum. Que ou acheter yon. Ou à suivre là. Ou besoin de voir le département d'éducation. Il a besoin d'approuver pour qu'il y ait le tourner par où. Ou de un certificat qui montre qu'il a enseigné. Ou pas qu'il y a la caille, j'en voulais. Pour qu'il y ait une raison qu'on a la caille, j'en voulais. La paix, mon Dieu. How you think you could stay home as God's children? Les enfants de Dieu. Ou pensez. Ou carrete la caille, j'en voulais. And it is okay. Non. Le dit, car vous avez, qui ça, de, vous avez besoin de persévérer. L'homme, qui persévère ce qu'il a fait, le dit, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, qu'il soit fait ou abjoint, qui bagaille la promesse de. La paix, mon Dieu, ben oui. Bon Dieu, ben oui. Ça n'a pas d'accord avec nous. Mais moi, je voulais dire, oui. L'homme néglige la présence de Dieu ou néglige la délivrance. La paix, mon Dieu, ben oui. La paix, mon Dieu, oui. L'on néglige la présence de Dieu, ou néglige les bénédictions. L'on néglige la présence de Dieu, ou néglige la promesse de Dieu. L'on néglige la volonté de Dieu, ou néglige persévérance, ou néglige rentrer dans le temple, ou néglige mon Dieu. La paix, mon Dieu, oui. Bon Dieu, bénis-nous, oui. M'aimez-nous, oui, bien-aimés. L'homme principal là sous Dieu pour ti moun à l'école là et bagay il ray yo non parce qu'il t'a remé yo apprendre pour devenir un homme demain dans communauté là. La Bible dit moi même avec vous nous c'est temple qui recevra Saint-Esprit hein? Cet esprit habite dans nous, cet esprit a dirigé nous, cet esprit a assisté nous, mais ça pas représenter adoration nous. Et je veux dire, dimanche, non, la raison encore qui constitue à l'école, c'est pour faire compétition entre eux. Parce que si Timon a fait F tout le temps, et puis le petit monde qui a recevoir un certificat, le petit monde qui a fait bon, on joue Foldagon, on honte. Vous le faites un geste. La paix, bon Dieu, oui. La paix, bon Dieu, oui. Ou quand vous regardez, il y a pour honorer tout le monde pour chita dans la même classe avec vous, ou après la même bagarre avec vous, et pour même chita dans la même position, ou pas honte. On les fait qu'on honte qui t'a pour dire non, pas vide encore. C'est même Jean-Lié, bien aimé, qui a quelques problèmes qu'on gagne, qui a quelques moments difficiles qu'on y est, ou senti ou pas lever demain matin, hier soir, je suis arrivé à la caille, je senti une dépression, je senti me descendre dans une profondeur. Bien aimé, pas parce que nous, pasteurs, qui veut dire nous pas descendre dans quelques profondeur, non. Je senti me triste, les mères, les mamans, et ils ont dit, maman, pas qu'à parler. Mathieu, on va me sortir vers 6h45, je relé encore, ils ont dit, je pas de bon même, et puis je senti pas bien, je senti me triste. Et puis, pendant que je pense comme ça, mon serviteur qui relé Mosto, il dit, pasteur Philippe, je voulais prier avec moi. Je voulais prier pour un bon dimanche. Je voulais prier pour prêcher l'évangile. Bien aimé, les dames, chauffez une lotte. C'est pas grave qui est bon, oui. Qui me connaît là? Qui se dit pas qu'à lever mes longs? Qui me connaît là? À mon problème, il se dit puis dans le terrain de la caille, oui, mais elle rentre là. Il vient de Sénat, il n'y a pas adoré. Il vient de François, il n'y a pas adoré. Il vient de voir, il n'y a pas adoré. Il vient de bien aimé, il n'y a pas adoré. Il vient de mon cap lever mes en l'air. Coucou! Parce que la Bible dit, nous pas qu'à sortir dans la présence de mon Dieu, je n'ai pas été un. Ça fait ça, c'est parce qu'il y a un courant qui part. Courant saute dans le frère Jésus. Et puis il passe fou, il passe en baban. Et puis il prend mon air. Parce que l'elgade ou le monde s'agit mais en l'air. Oh bien aimé, c'est belle bagaille, oui. Pendant qu'on va adorer. Ou bien on sorti, ou t'as appelé découragé. Et vous, mon niveau, quand on l'a levé main. Et vous senti, ou autre, ou pas qu'on va lever main. Là, mais mon diable, oui.
Ou songez ou jeûnez pour pas lever mais parce que nous dans même assemblée et puis pour nous lever mais en conseil vous sentir m'a monter plus haut. Côté monde qu'on adore. Pendant qu'on a levé mes comme ça, ou sont ou à fond danser et puis c'est le gars de voltiger. Ou sont ou pas à lever pied, c'est le gars de noter. Ou sont ou pas à dire alléluia. C'est le sort où sont ou alléluia sur dans bouche parce qu'il y a un courant qui pas. Lisez Noé Pierre 2 verset 4 5. Lisez son qui doit entrer dans le temple parce que nous, c'est une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, un peuple libéré, un peuple sauvé. Parce que la signification du temple, son alliance qui est liée, son contrat qui est lié, qui veut dire Israël, me retire dans le péché, on a l'homme d'affaires, la condamnation de l'homme, Israël me libéré, Israël me délivré, quand tu adores, vous adorez, on travaille 6 jours, mais je ne pas non, pas négocier l'Israël. Israël ou bourriqué, Israël yote vont passer misère. Mais l'on arrive sous adoration, entraîne adoration, parce que sous là, c'est moi qui libéré. C'est moi qui libéré. Because of me, you here. You got to worship. We got to praise him. We have to praise him. It's a duty to praise God. In his house. De nous encore dimanche non. Gimon qui dit à Pasteur, l'aime pas l'église, moi service là quand même, oui. Je suis toujours d'accord avec vous, toujours, oui. Mais garde dans l'église là très bien, ou regardez, regardez combien de monde qui est là-dedans. Là, vous avez oui. Pas oublier de tout ça. Pendant mon service là, vous dites, mes amis, gardez un gros l'église, mes amis. Gardez combien de monde qui est là-dedans. Est-ce que vous avez une chaise vide? Ça veut dire, même l'église à l'église. Service là, c'est pour un qui est l'hôpital, un qui est dans 5 hommes, un qui n'est pas capable. Mais même l'église là, il y a allé. Et puis, même je suis dans la caillou, ou je prends l'église la caillou. Et puis, pasteur qui a prêché, tout fidèle est devant nous. Là, répondu avant, oui. Combien de monde qui est habitué à garder grande assemblée, quand vous regardez, vous dites, moi, je remets le prédicateur ça. Et puis, vous regardez, où est la caméra virée, où est tout le monde en l'air. Tout le monde en l'air. Tout le monde n'a pas adoré. Vous dites, mes amis, regardez comment vous n'avez pas adoré. Regardez comment. Regardez l'église africaine. Regardez l'autre l'église, le grand prédicateur. Gros méga church. Pourquoi le n'avez pas adoré. L'église, vous n'avez pas adoré. Ou chita, vous avez gardé. Pourquoi est-ce qu'on joue une chaise qui vide? Vous avez la question de vous dire, mais comment ça passe là? Et moi, je vous ai fait un cas là. La paix, mon Dieu, avant, oui. What am I doing home? La paix, mon Dieu, avant. Go bagay, moi manqué con, comprendre. Il dit, vous êtes le temple du Seigneur. Le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite dans vous. Ça veut dire si le Saint-Esprit habite dans vous, Saint-Esprit là pour diriger, pour faire ça qui est bien. La paix bon Dieu avant. Saint-Esprit là pour l'enseigner de bon Dieu, pour montrer ça bon Dieu voulait de vous. Elle dit si on monde détruit temple qui ça bon Dieu fait bon Dieu même la détruit on top yo monde c'est l'esprit dans ou pas ka gemé en bas faut moi faut adorer ou pas ka faire communion avec papa ou pas ka parler ou c'est plus bon chrétien moi pas gemé communion avec bon Dieu qui l'ont communion à bon Dieu pour nous finir c'est l'on dans la prière. L'on adoration. Communion avec mon Dieu, papa, on bouche bien aimé. La paix, mon Dieu, avec nous. Vous avez fâché avec nous, parce que moi, oui. Ou pas qu'il y ait communion avec mon Dieu pour pas adoration. Adoration salie. Ou pas lever mon Dieu, puis. Ou pas lever mettre la vie à puis. Puis, oh, moi qui libéré, oh là, moi qui délivré, oh là, moi qui sauvé, oh là, moi qui brisé les liens, qui rompu les lances, qui consumé par le feu, les chats de guéant, ou à level, puis, oh. Et vous avez dit, Seigneur, grand en fidélité, malgré les moments noirs, vous avez dit, Seigneur grand,
Malgré les moments difficiles, on dit Seigneur fidèle. Malgré les bagailles, ou pas devant, pas derrière, les bagailles noires, mais on dit Seigneur, à la au grand Seigneur, à la au grand Seigneur. Et puis, donne alléluia dans quoi ça. Yo alléluia dans quoi ça. Yo alléluia dans quoi ça. Oh mon qui rentre, qui malade, doit guérir. Temple, son référence de Dieu. Là, son référence de Dieu pour nous dire, bon Dieu, au plus haut, au plus bon, au plus douce. Bien, mes frères et sœurs, pour nous finir, si nous avons respect, et tant que chrétien, nous sauver, nous régénérer pour l'établissement de l'homme, et puis nous marcher droite. Parce que nous n'avons pas de problème avec l'État. Nous n'avons pas de problème avec la loi parce que nous sommes chrétiens, nous sommes bons chrétiens. Gloire à Dieu. Mais pour quelle raison nous avons de problème avec Dieu? La paix, mon Dieu. Ah, nous sommes bons chrétiens, papa. Moi-même, je n'ai pas de problème avec l'État même. Tout ça, l'État m'a demandé de me faire. Parce que la Bible enseigne pour obéir la loi. Elle avait dit, si M. Chrétien ne peut pas voler blanc, je vais aller. La paix, mon Dieu, oui. Je viens d'avoir tout. Si M. Chrétien ne peut pas arrêter notre travail là pour faire une explication chaque jour, je vais aller. Parce que M. Chrétien. Pour quelle raison? Parce que M. Chrétien. Si M. Chrétien, je sais que je suis pour qu'il y ait une discipline dans l'école là. Parce que M. Chrétien. Bon, comment me faire ces chrétiens? La paix, mon Dieu, vous oui. La paix, vous oui. Est-ce que vous comprenez que vous là-bas, oui? Est-ce que vous comprenez que vous c'est pour ça que vous avez une grâce pour nous parler, pour comprendre nous. Ces chrétiens, je vais vous faire une explication. Je vais vous faire une explication dans le travail. Je vais vous faire une explication dans le travail. Je vais aller. Et si je vais arriver en retard, je vais commencer à me dire, bon, excusez-moi. Je fais tout effort pour me faire encore. Parce que j'ai besoin de travail là. Parce que, et surtout, je suis chrétien. À cause, mon chrétien fait des choses que je ne peux pas faire. Parce que je suis chrétien. M'obéis la loi. Parce que je suis chrétien. Et les affaires de Dieu, je suis chrétien. Je suis chrétien. M'obéis tout ça, m'obéis. Fais bon Dieu qui a tout le pouvoir. Papa, qui est dans le ciel là. Wadewa, Seigneur de Seigneur. Mettre la vie. Nom qui ferme. Nom qui l'ouvre. Nom qui va marcher. Nom qui va la vie. Nom qui guérit. Nom qui sauve. Le river sous affaire. Moi, c'est chrétien toujours. Même pas respecter. Je ferme là. Parce que c'est Gauthier Moun, nous comprenons. C'est Gauthier Moun. On ne va pas utiliser mon monsieur chrétien pour faire l'homme, mais nous utiliser d'abord pour les affaires de Dieu. Amen. La paix, mon Dieu. Amen. Vous êtes gros, vous comprenez ça, mon Dieu. On respecte les affaires de Dieu d'abord. Les principes de Dieu. On applique ça, mon Dieu, pour nous appliquer d'abord. Si nous appliquons, nous crasons le temple. Et puis bon Dieu, même pas le contraire à faire. Que bon Dieu vienne. Merci d'être adoré avec nous. Et subscribe dans la chaîne Louan. Et puis, voyez le bayou monde, séparez, partagez le bayou l'autre monde. Ça a toujours aidé nous pour nous prêcher l'évangile, que ce soit côté mon noyé. Encore, si vous êtes capable de supporter nous, vous faites ça. Je voulais déjà dire merci. Vous êtes capable de supporter nous, soit avec Cash App ou bien PayPal, ou avec une adresse non, sur screen, non, comme ça, vous êtes capable de supporter nous. Once again, thank you for your support. Thank you for worshiping with Grace in the Church. Share it with another friend. Subscribe in our channel so we can get our message across to even those who doesn't know Christ. If you, anyway, you can support this ministry, we encourage you to do that. And again, thank you and God bless you.